Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 6 consacré au Koromu. Cette semaine, on s'arrête sur les Xenia et les Antelia. Tous deux font partie de la famille des Xenidae. Les Xenia regroupent 60 espèces qui vivent dans les récifs de la mer Rouge ou de l'Indo-Pacifique. Cette famille de coraux prospère dans des eaux peu profondes jusqu'à 10 mètres et chargée notamment en nitrate. Les Antelia sont présents aussi en Indonésie, Australie, Corée, Taïwan ou Madagascar. Ils regroupent 21 espèces et poussent dans des zones plutôt calmes et riches en nutriments à des profondeurs jusqu'à 20 mètres. L'espèce de Xenia la plus connue est le Xenia elongata ou Xenia sp, couramment appelé Xenia pumping, apprécié par ses pulsations de polypes d'environ 8 par minute, mais qui peut varier selon les paramètres d'eau. Ce corail se balance au fil des courants et peut vivre jusqu'à 7 ans en aquarium. Les couleurs vont du crème au vert clair en passant par l'ivoire et le brun blanc. Tous les Xenia ne pulsent pas, mais on ne connaît pas la raison des pulsations. Des hypothèses sont avancées comme améliorer les échanges gazeux ou la respiration. Le courant, l'éclairage, les paramètres d'eau n'y seraient pas étrangers non plus. Ils sont sensibles au pH inférieur à 8,3. Un apport d'iode est souhaité. Ce corail aura du mal à survivre dans un bac de SPS où les nutriments sont très faibles. Dans un bac, il sera placé dans une zone avec un flux d'eau assez fort, dans un endroit à l'écart ou difficile à peupler par d'autres animaux. Car s'il se plaît dans un aquarium, il peut vite tout recouvrir au risque d'étouffer d'autres coraux. S'il manque d'éclairage là où il est, il étendra ses tiges pour capter plus de lumière, signe qu'il en manque. Une alimentation spécifique n'est pas nécessaire. Il se nourrira de matières organiques dissoutes venant des poissons, ce qui complétera la photosynthèse. Du calcium d'entre 400 et 450, un KH de 8 à 10, magnésium entre 1200 et 1350, des PO4 inférieurs à 0,1 et nitrate jusqu'à 20 mg, et densité de 1023 à 1025. Ce corail se bouture par fragmentation. Il n'a pas de différence entre mâle et femelle et il atteint la maturité sexuelle en un an. Côté maladie, il existe certains parasites néfastes, quelques nudibranches ou mollusques. Il arrive que des vers polychètes s'en prennent au corail. Certaines espèces ont tendance à stresser et à libérer du mucus propice aux bactéries qui peuvent décimer une colonie. Tout comme les Xenia, l'Antelia dispose d'algues symbiotiques appelées zooxanthelles. 90% de leurs besoins nutritionnels sont produits par la photosynthèse des algues qui produisent des sucres et de l'oxygène. Le reste provient des nutriments de l'eau et du plancton. L'espèce la plus courante est l'Antelia glauca. Leurs polypes n'ont pas la capacité de pulser comme certains Xenia. Les polyx sont grands et même très grands, jusqu'à 13 cm, de couleur beige, ivoire, marron, voire gris ou bleu. Les polypes ne se rétractent pas complètement comme le clavularia, que l'on confond car les polypes sont très similaires. Contrairement aux Xenia, l'Antelia a une reproduction sexuée avec libération de gamètes. On placera l'Antelia dans un endroit modérément brassé, mais avec un fort éclairage, mais ils s'adapteront dans une zone moins éclairée. Pour une bonne croissance, le pH devra être plutôt haut vers 8,3. Un apport d'iode est souhaité et les paramètres d'eau sont similaires aux Xenia. On surveillera son développement car ce corail peut vite coloniser un espace comme les Xenia. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces coraux. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode sur les Koromu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut !